Bonjour, mon nom est Denis Robert et je suis l'ambassadeur du Canada au Royaume du Danemark. Aujourd'hui, pour célébrer la gastronomie des pays de la francophonie, je vous présente un produit associé à l'identité canadienne, le sirop d'érable. La feuille de l'érable à sucre est d'ailleurs au centre du drapeau national du Canada et vous avez peut-être même déjà entendu l'expression « aussi canadien que le sirop d'érable ». Pour les Québécois et les Canadiens français en général, aller à la cabane à sucre est une pratique culturelle qui demeure populaire à ce jour. Mais qui a découvert ce précieux sirop d'érable? Enfin, la douce sève de l'érable à sucre était connue et appréciée des autochtones des forêts du Canada, et ce, bien avant l'arrivée des Européens. Regardez ce qui suit. Déjà. C'est une cérémonie? Votre Majesté sera heureuse d'apprendre qu'avec l'aide de nos amis indiens, nous avons produit cette année 30 000 livres de ce délicieux sucre d'érable. Les Anishinabe appellent la période durant laquelle la sève est recueillie la saison des sucres, la lune d'érable ou le mois des sucres. La tradition de la saison des sucres est installée dans les communautés canadiennes et survit jusqu'à aujourd'hui. Le Canada est le principal producteur et exportateur de produits de l'érable, représentant 85 % du marché international. Les produits de l'érable du Canada sont exportés dans plus de 68 pays. L'importateur le plus important sont les États-Unis. Les producteurs canadiens y envoient presque 60 % de leurs exportations. Les autres principaux acheteurs sont l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, l'Australie, la France et bien sûr le Danemark. Aujourd'hui, encore au printemps, les gens, les Canadiens, les Québécois, se rassemblent dans les érablières pour le temps des sucres afin de partager un repas, écouter de la musique traditionnelle et manger de la tire sur la neige. Le sirop d'érable est toujours principalement servi sur des crêpes et est considéré comme un condiment, bien qu'il soit utilisé pour préparer des sauces, des glacis et des vinaigrettes. Il est aussi utilisé dans les marinades et en pâtisserie. Mais il faut préciser que les créations culinaires à partir du sirop d'érable, ce merveilleux ingrédient gastronomique, ont beaucoup évolué, allant de recettes traditionnelles à la cuisine moléculaire. J'aimerais donc vous présenter une recette de cocktail simple et savoureux à base de sirop d'érable. Vous avez besoin de whisky, de jus de citron frais, d'une pincée de cannelle et bien évidemment de ce magnifique sirop d'érable que vous pouvez vous procurer ici au Danemark dans plusieurs commerces. Mais n'oubliez pas de vérifier que la mention « Faite au Canada » doit apparaître sur le contenant. En finition de ce délicieux cocktail, notre chef Kenneth a créé une bulle de saveur à partir de sirop d'érable. Quel parfum! Bon temps des sucres et bonne journée sucrée de la francophonie!